Alors, bienvenue à l'équipe des champions. Priam. Champion, parce que l'an passé, c'est vous qui aviez gagné le classement. C'est vrai, et je vais vous dire, je vous fais une confidence, j'espère qu'on ne va pas le gagner cette année, et qu'on va être dépassé dans l'intérêt de l'association TFA, bien évidemment, hein. Mais ce serait bien qu'on nous pousse et qu'on nous dépasse. Alors, cette année, votre équipe, comment elle est composée? Elle est top, regardez, sans tout ça. D'ailleurs, elle va vous le dire, hein. Voilà, c'est tous les collaborateurs de la société Priam, tous très motivés pour la deuxième année. Et avec une vraie envie de faire et puis d'aider l'association Église sans cœur en général. Alors vu qu'on est entre nous, on peut avoir le secret. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez toujours à collecter autant de dons? Parce qu'on prend ça très au sérieux et on s'organise. Donc beaucoup de communication pendant 2 mois, 3 mois, beaucoup de préparation, beaucoup de sensibilisation auprès des partenaires, beaucoup de relance, de l'emailing, de la communication sur les supports papier. Et c'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai job. Le don vient pas spontanément, et puis il faut relancer, il faut sensibiliser, donc c'est un vrai job. Et encore aujourd'hui, on fait de la relance par SMS, donc on essaie de faire remonter les compteurs. Ça ne s'improvise pas. Bienvenue à la 11e édition de Glisse en cœur. En tout cas, c'est super, vous êtes en rose, comme TFA. En tout cas, bravo. Et je crois savoir que c'est votre première. Alors exactement, c'est notre première participation à Glisse en cœur. Nous sommes lyonnais, donc bien sûr que nous connaissions le Grand Bornand et l'événement. Mais c'est surtout TFA qui nous a amenés à Glisse en cœur. TFA, c'est une association lyonnaise, enfin fonds de dotation lyonnais. On connaît bien Marie Lextrait, donc c'est sa grosse conviction et sa grosse implication qui nous ont amenés jusqu'ici. On est ravis de participer. Mais en tout cas, vraiment merci d'être venu, d'être là. Super bien habillé. On va vous repérer sur les pistes. D'ailleurs, en parlant de pistes, est-ce que vous avez un peu une idée de votre classement? Alors, l'idée du classement, non. On a une équipe de 10 skieuses. Le groupe adéquat est un groupe de travail temporaire et de recrutement. 80% de notre personnel permanent, ce sont des femmes. Donc, on a souhaité également mettre en avant les femmes dans cet événement. Thierry, est-ce que toi, tu as une idée de notre classement? Thierry, c'est notre coach. En fin de compte, on n'est pas dans les premiers, mais on n'est pas dans les derniers. Ce qui était important, c'est que les filles s'éclatent sur la piste. Donc, on est dans les temps qu'on s'était fixés. On fait 6 tours à l'heure. Au lieu de 7, bien sûr, les premiers font 7, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, je pense qu'on sera bien placé. Skier pour une vie, quel incroyable défi! Yeah.